La faute à Rio de Janeiro. Je t'avais pas dit que le Brésil était génial, Winnie. On est là tous les deux. Quand je pense que ta mère dit que je ne suis pas romantique. Ah, oui, c'est magnifique. Allez, viens, faisons une belle photo tous les deux. Allonge la perche. Prends aussi la montagne. Plus à gauche. Encore. Un peu plus à droite. Plus haut. Voilà, parfait. Oh, c'est tellement bon d'avoir un peu de temps pour nous. Juste toi, moi et la ville romantique de Rio de Janeiro. Bonjour mes chers amis. Winnie, je te présente mon nouvel amigo Luis, le meilleur guide touristique de toute l'Amérique du Sud. Il va nous accompagner tout le week-end. Tu trouves pas ça génial? Si, je saute de joie. Tu connais le vieux dicton, mon cœur. À deux, on est heureux. À trois, c'est la fiesta. Et comment, oui. C'est un plaisir de vous rencontrer, Mina querida. Quoi? Ça suffit maintenant. Du calme, Luis essaie seulement d'être poli. Puis-je vous proposer une visite guidée de ma merveilleuse cité? Oh, si. Oh, Luis, vous êtes si amusant. Je dois vous avouer que le soleil des tropiques m'a quelque peu déshydratée. Elle est sérieuse? N'ayez crainte, Mina querida. Luis va aller vous chercher une eau de coco bien fraîche pour vous désaltérer. C'est moi qui vais la décrocher, la noix de coco. Mission accomplie. C'est loupé. Obrigada, Luis. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Comme une brésilienne. Je vous assure que vous ne saurez pas réellement ce qu'est le Brésil tant que vous n'aurez pas assisté à l'un de nos mythiques matchs de football. Oh, mais Luis, je suis une inconditionnelle du football. Dans ce cas, je vais aller nous acheter les meilleures places du stade, Mina querida. Non, depuis quand est-ce que tu voues une passion si débordante au football? Depuis que Luis m'en a parlé comme si c'était un pur enchantement. Ah, pardonnez-moi, le match est déjà complet. C'est un match de grand championnat, le Brésil contre la Suède. Oh, ça ne fait rien, Luis. Je suis certaine que vous nous trouverez autre chose à faire d'aussi extraordinaire. Ah. Eh non, si mademoiselle veut aller à un match de football, mademoiselle ira à un match de football. C'est au tour de Woody, cette fois, d'être le plus merveilleux. Woody, qu'est-ce que tu fais? Après toi, Woody. Je peux m'aider. Oh, qu'est-ce que ça sent? Woody, t'es sûr que ces évacuations pluviales vont nous mener jusqu'au stade? À vrai dire, je pense que nous nous trouvons plutôt dans... comment dirais-je? Des égouts. Oh, regardez, de la lumière. Tu vois, je t'avais dit que je nous conduirais jusqu'au stade. On est placé où par rapport au terrain? On est au cœur de l'action. Le score est très serré. Nous sommes à seulement quelques secondes de la fin du match. Et la ligne d'anneau est ici. Ce but est clairement dû à l'intervention d'un fan. Comment ça, l'intervention d'un fan? Je suis pas du tout fan, moi. Une seconde, attendez, il n'y a rien dans le règlement à propos d'un éventuel pivert migrateur. Le Brésil a gagné. Oh, j'ai rien dit. En fait, je suis fan. J'adore ce jeu. Et moi, je t'adore toi, Woody. Et moi aussi, je t'adore. J'espère qu'ils vont nous emmener aux douches, amigos. Vous sentez très mauvais. Ouh. Mon ami, laisse faire les experts, tu veux bien? La quête du jaguar de Jade. Thank you.
Rio. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre des vacances. Moi aussi. Buzz, le Brésil est suffisamment grand pour nous deux. Donc je t'ignorerai si toi tu m'ignores aussi. Je te rassure, Woodpecker, je t'ignore déjà. Tcha tcha tcha. Qu'est-ce que tu as trouvé, amigo? On dirait une carte au trésor. Mais ce sont juste des symboles au hasard. Tu comprends quelque chose, toi? Le jaguar de Jade! Tu as trouvé une carte conduisant au légendaire jaguar de Jade! Oh, le jaguar de Jade, c'est plutôt chouette, non? Très chouette, amigo. Mais le jaguar est caché au fin fond de la forêt tropicale de Rio. On s'y perd facilement. Tu saurais m'aider à le trouver? Oh, Louis peut t'aider à trouver tout ce que tu veux. À moins que l'objet ne veuille pas être trouvé, évidemment. Heureux de te connaître, Louis. Je m'appelle Woody. Alors comme ça, monsieur a trouvé une mystérieuse carte au trésor. C'est dans cette direction, Woody. Alors, qu'en penses-tu? Elle est magnifique, cette forêt! Je vais laisser cette cervelle de moineau me mener au butin. Ensuite, je lui arracherai le trésor juste sous son bec. Va-t'en! Bien, nous voilà arrivés au premier repère de la carte. Moi, je peux voler, mais comment est-ce que tu vas traverser? Moi, je me balance! Dans ce cas, je vais faire honneur aux coutumes locales. La carte dit qu'il faut emprunter ce passage. J'espère que ce fameux jaguar de Jade vaut le coup de prendre tous ces risques. Oh oui, ça vaudra le coup. Pour moi. Surtout, tu ne dois pas t'inquiéter. Parfois, ces cavernes sont habitées par de petites créatures. Et parfois, elles sont aussi habitées par de plus grandes créatures. Je m'en souviendrai la prochaine fois que plus jamais je visiterai une caverne. J'ai été ravi de te connaître, amigo. On va sortir d'ici en un seul morceau. Fais comme moi, d'accord? Je dois admettre que c'était plutôt amusant. Sauf la partie avec l'horrible arachnide carnivore géante. Je me suis fait pipi dessus. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, un vautour n'est jamais pris au dépourvu. Le jaguar de Jade se trouve en haut d'une falaise au bout de cette rivière. Mais il va falloir un moyen de transport. À bord du SS Woody. Attention à la marche. Changement de plan. Passe. Je ne manquerai pas de transmettre vos amitiés au jaguar de Jade. Hé, hey, rends-moi ça. Sois tranquille, Woody. J'ai mémorisé le chemin. Un singe n'oublie jamais rien. Je croyais que c'était les éléphants qui n'oubliaient rien. Les éléphants ont oublié qu'ils doivent leur bonne mémoire à leurs amis les singes. Je suis riche.
Non, sûrement pas. C'est mon trésor. Quoi? Le Jaguar de Jade est un... restaurant? Alors, ça veut dire que la carte au trésor était une... Une publicité. C'est plutôt bien pensé, non? Il n'y a donc pas de trésor? Il n'y a pas de trésor plus grand que celui de partager un bon dîner avec un nouvel ami. Tu as tout dit, amigo. Oh, non, pas elle!